Ou quoi, toi? Voilà un rituel pour débloquer le chemin au niveau abondance. Encore une fois, et il y a plusieurs rituels que je vais vous proposer. Donc, il vous faut faire quelque chose de différent cette fois. Ce sera pas seulement laisser dans un bol les instruments ou les ingrédients que vous avez besoin. Vous aurez besoin cette fois de l'eau bouillante avec vous, de la cannelle en poudre ou en bâton. Et vous aurez besoin de clous de girofle que j'ai déjà mélangé tout à l'heure. Donc une poignée de clous de girofle quand même. C'est pas important la quantité, hein. Voilà. Donc vous mettez à l'intérieur de l'eau bouillante les clous de girofle. Vous mettez à l'intérieur la cannelle. Plusieurs bâtons, 4-5 bâtons. Donc, parce que la cannelle et les clous de girofle ensemble ont une propriété de débloquer le chemin, d'attirer l'abondance à toi. Si tu sens de la fatigue, si tu sens que tout est bloqué, ça va t'aider. Et ceci sera aussi une bonne idée pour parfumer ton appartement parce qu'on va utiliser autre chose. Donc, vous laissez bouillir un moment pour qu'en fait, cette fois, ce n'est pas utilisé de manière naturelle, c'est utilisé de manière bouillie. Et vous allez utiliser un vaporisateur comme ça avec vous. Ou bien sûr, on va mettre à l'intérieur cette eau bouillante. Si c'est en plastique, on va attendre que ça se refroidisse et on va le mettre à l'intérieur du vaporisateur. D'accord? Donc, vous attendez un petit peu, vous mélangez bien. Pour qu'il y ait plus d'efficacité, ben, plus il y a de clous de girofle et plus il y a de cannelle. Moi, j'utilise la cannelle en poudre. Et plus ça va sentir bon et purifier déjà l'énergie de l'appartement, et plus ça va être efficace. Ensuite, quand c'est bien bouilli, on éteint le feu. On enlève du feu, bien sûr, et on va remplir notre jarre. Donc, il vous faudra aussi, si vous avez déjà comment on dit, j'ai fait le rituel tout à l'heure, une passoire. Vous allez utiliser la passoire avec votre. Hop là. Et vous allez y verser l'eau, le jus à l'intérieur. Ce qui va vous faire justement une eau infusée à la cannelle et infusée avec les clous de girofle. Déjà, ça sent moins. Et ensuite, vous allez utiliser simplement pour gicler à travers tout votre appartement, pour la porte d'entrée, les fenêtres. N'hésitez pas. Le vaporisateur, vous allez gicler pour pouvoir permettre à nouveau à circuler les bonnes énergies. Avec ces ingrédients, vous pouvez garder la cannelle pour d'autres choses, les clous de girofle pour autre chose si vous le désirez. Voilà, donc utilisez ce vaporisateur dans les pièces, sur votre lit, à l'entrée de la porte, aux sorties de fenêtres, dans toutes les chambres et vous vaporisez ici. En fait, cette eau magique. Merci pour vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se retrouve tout bientôt. Et n'hésitez pas aussi à voir les tirages pour le mois de février 2024. Je vous embrasse.